Eh bien, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bon, là, on teste une petite Asbeam. C'est un petit bijou, hein. Voilà. Un peu cher. Alors, je l'ai trouvé à 269$. Sur Amazon, elle n'y est pas, hein. Alors, j'en sais rien. Allez voir la page Facebook de Gunner. Peut-être lui, il a un lien pour l'acheter. Alors, c'est livré dans un écrin, genre comme une montre et tout. Je vous l'ouvre. Et c'est tout joli. Franchement, voilà. Alors, je vais vous donner deux, trois petits détails techniques que j'ai trouvés. Hein. Alors, c'est la Asbeam TK17TI. Comme je vous ai dit, le prix, j'ai trouvé 269$. Hein. Alors, c'est un alliage de titane. Dedans, il y a une pile 18-350. C'est une petite pile qu'on peut recharger en USB-C. Hein. Le petit clip, là, ici, ce serait de l'argent fait à la main. 73 grammes et elle fait max 2300 lumens. Elle est toute petite et franchement sympathique. Je vais vous montrer ça. Bien bonjour. Alors, dans la boîte, il y a bien sûr le câble pour la recharger. Hein. Si je me trompe pas, je crois que c'est du USB-C, mais je suis pas sûr. Non, dedans, ils ont un câble micro USB. Alors, je sais pas, je vais regarder tout de suite. Alors, effectivement, dans la boîte, j'ai une toute petite pile qui est du 18-350. Elle fait 1100 ampères. Et effectivement, il y a un rechargement ici qui est en micro USB. Voilà. Hop. On peut brancher le câble dedans. C'est du micro USB. On peut recharger la pile comme ça. Voilà. Hop. Alors vous voyez la lampe. Alors ici il y a des petits picots. Alors je sais pas si c'est pour casser des vitres ou quoi, j'en sais rien. Ça, ce serait de l'argent. Elle est toute en métal. Super jolie. Franchement, très jolie. Le bouton à l'arrière pour l'allumage. Le bouton arrière comme ça. Et celle-là, elle est toute petite aussi. Quoi. Dans la main, on la voit pas. Et ça éclaire vraiment pas mal. Style un peu, je sais pas. Industriel, je dirais, je sais pas. Mais elle est jolie, franchement, rien à dire. Là, ici, elle a un côté en cuivre, comme ça, on dirait, couleur cuivre, quoi. Voilà. Je vais vous tester ça tranquillement, puis je vous montrerai ce que ça donne de nuit. Voilà. Mais sympathique, mais très cher. Ouh là 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 là, c'est très cher pour une toute petite lampe comme ça. Voilà. Allez, je vous laisse. Et puis, je vous teste ça. Et je vous dis ce qu'il y en est niveau éclairage. Mais j'ai déjà essayé, c'est pas mal. Franchement, bon, après, c'est plus un bijou. Hein, parce que 269$, je pense qu'on l'achète plus sur le côté bijou. Quoi. Voilà. Il y a des fans hein, de lampes qui achètent des trucs super chers. Moi, personnellement, je les mettrai pas. Hein, je vous dis la vérité. Mais c'est joli. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. Alors, là, on a la toute petite Asbeam. Voilà. Alors là, on est au minimum. On rappuie un tout petit coup. On passe en 2, 3, 4. Et voilà, le turbo. 1, 2, 3, 4. Pas mal, franchement c'est pas mal, ça éclaire plutôt pas mal, pécho assez grand comme ça, moi j'aime bien, hein. Toute petite celle-là aussi, vraiment très cher, voilà. très cher, mais c'est un bon produit, hein. Franchement rien à dire, si vous êtes un fan de lampes, c'est très compact, et ça éclaire bien, franchement rien à dire, voilà. Ben pareil, comme d'hab, si ça vous intéresse, vous regardez dans la description. Alors voilà, je crois pas que j'ai trouvé sur Amazon, ce qui fait que ce sera la page Facebook de Gunner. Voilà, allez, bisous à tout le monde, bisous, ciao.